Bravo. Merci. Coup d'essai, coup de maître pour un 5 ans. Mmh. C'était pas évident, grandissime favori, un peu de pression. Tout s'est bien passé? Beaucoup de pression parce que j'étais très retourné avant la course. J'avais vécu un début de matinée, de journée horrible avec des chevaux qui se couchaient tous les coins du champ de course. J'ai acheté du terrain un peu partout. Donc au départ, j'y croyais plus. Quoi. Journée noire, quoi. Ouais, j'y croyais plus. J'ai dit, bon, on va voir. Puis au fil de la course, je voyais que le déroulement se faisait bien pour nous, que ça allait bien, qu'il ne faisait pas une toile, qu'il ne faisait pas d'effort, que tout était bien. Et dans le dernier tournant, quand il a commencé à le sortir, j'ai dit, tiens, ça va peut-être aller. Ah, puis ça, je trouvais que ça allait de mieux en mieux. Dans un premier temps, j'ai cru qu'on allait gagner. Après, il a un petit peu plafonné. Et puis il a remis un coup de rein. J'ai arrêté de pousser. Ah, puis j'ai recommencé à pousser. En fait, c'est peut-être en lui donnant un petit bol d'air, ça lui a permis de gagner. Ouais, alors je rigole, mais c'était un grand moment. Bravo, un coup de chapeau à Cheminot, au jockey, Vincent. Évidemment, à toute l'équipe, parce que c'est une chaîne. Hein. S'il manque un maillon, il y a un maillon faible, tout foire. Hein. Mais lui, quand même, il a fait particulièrement preuve de sang-froid, quand même. Il a que 20 ans, son premier grand steeple. Ouais. Grand favori, c'est pas toujours évident. À la montée fine, et il l'a montée fine. Il l'a montée très fine. Il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le résultat. C'est Federico Tesio qui disait, le pur sang existe parce qu'il ne dépend pas de zoologistes, de techniciens, de vétérinaires ou de tout ce qu'on veut, mais à cause d'un morceau de bois, le poteau d'arrivée du derby d'Epsom. Bravo. Vincent, bravo. Merci. Coup d'essai, coup de maître. Première tentative d'un grand cycle à 20 ans. Les sensations? Énorme. 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 C'est sûr que j'avais pas mal de pression. C'est pas mon type d'habitude, normalement, d'avoir de la pression. Forcément, d'être le favori, ça met du poids sur les épaules. Et le cheval a rempli son contrat, c'est super. Je crois que papa avait dit avant la course, t'inquiète pas, c'est comme un réclamé amélioré, non? Ouais, c'est ça, mais je vous rassure, on n'y pense pas. Enfin, moi, je savais que c'était le grand cycle et ça met énormément de pression. Ouais. Et dans le parcours, à quel moment tu as senti que tu allais disputer au moins la victoire, enfin une première place? Ah bah, de toute façon, on attend toujours de passer à l'extérieur, hein, parce que bon, ça reste des obstacles. Malheureusement, comme il y a deux ans, mais ça a été fatal pour les favoris. Mmh. Voilà, j'attendais quand même de passer à l'extérieur. Et dans le tournant, j'ai laissé une bonne chance. Après, voilà, hein, il se passe ce qui se passera.
Mais t'as pas douté un moment quand Shamrock te résiste un petit peu quand même? Sincèrement, je regardais pas. Je poussais, je me suis relevé au poteau, je savais pas que j'allais gagner. Je savais pas que j'avais gagné tout simplement. Et, ouais, t'as poussé jusqu'au poteau et une fois le poteau passé, vous avez gagné, bravo. Comme on dit, la tête dans la musette et j'ai pas trop regardé quoi. Jean-Paul, alors Shamrock, une nouvelle fois malheureusement deuxième. Non, pas malheureusement, quand on est second du grand cible, hein, il y a plus malheureux que nous. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, il est deuxième. Comme un journaliste m'a dit, ah, c'est Poulidor. J'ai dit oui, mais Poulidor est toujours vivant et Anquetil, il y a longtemps qu'il n'y ait plus de ce monde. Et en plus, c'était le plus populaire. Eh ben oui, eh ben voilà. Alors, ben oui. Non, enfin, c'est vrai qu'on est battu. Malheureusement, dès qu'il prend la tête, il s'arrête. Bon, ouais. Voilà. Mais on n'est pas battu par n'importe quel cheval. Non, hein. non, c'est un crack, l'autre. Le cheval est un crack, il a 5 ans, il a un gros potentiel. Le jockey, c'est la future Cravache d'Or. Bon, ben voilà. On revient l'année prochaine. Mais oui. Si Dieu veut. Oui. Si Dieu veut. L'année prochaine. Le temps, c'est de l'argent. Sera une autre année. On verra. L'eau passe sous le pont. L'année dernière, on avait dit l'année prochaine. Ouais. Cette année, on aura l'année prochaine. Eh ben, les petits ruisseaux font les grandes rivières, on prend ce qu'il y a à prendre. Il faut persister. Ah ben, moi, je fais que mon métier d'entraîneur. Hein. Après, qu'est-ce que je vous dis ? On ne peut rien dire. Il a été très bien monté. Moi, j'étais sûr. Il a gagné en face. J'ai dit, nous avons gagné. J'ai dit, je pensais qu'il y avait un cheval qui allait l'amener encore plus loin sur le poteau. Et quand il s'est retrouvé devant, dès qu'il est devant, il fait ça. Ouais. Là, il fait ça et l'autre, il vient lancer. Ouais, ça suffit. Ah bah, le poteau, il bouge pas. Bon, allez. Merci. Allez, 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 allez.